Alors, petite, enfin petite, c'est mon mot ça. Je dis toujours petite vidéo en entrée de, en introduction, mais non, c'est pas une petite vidéo. C'est une vidéo toute simple en fait, une vidéo sur les pastels à l'huile de chez Sellier que j'ai reçu dernièrement. Donc je voulais vous montrer un petit peu ça parce que c'est une beauté d'après ce que j'ai pu découvrir. J'ai déjà ouvert ces deux boîtes. Les 12 couleurs hérissées et 12 couleurs d'initiation. Déjà avec ces deux boîtes-là, on peut faire de quoi? Alors, je vous montre un petit peu. Je les ouvre toutes les deux. Attendez, je m'assure que ce soit bien centré. Voilà. Donc, vous avez dans chacune des boîtes la petite leaflette. C'est une liée avec les explications, un petit peu ce qu'il y a dans la gamme, la publicité, le papier. Le papier, ce qui conseille comme papier pour aller avec les pastels. Et après, vous avez aussi le nuancier de tout ce qu'ils peuvent présenter. Il est assez coton, il y a des nuances. Punaise, il y en a des couleurs, hein. Il y a 120 couleurs en fait. 120 couleurs, mais enfin déjà, qu'est-ce que j'ai? Je pense qu'on va réussir à faire de quoi? Il fallait bien tester un petit peu. Donc déjà, deux petites boîtes comme ça pour tester et voir si ça plaît. C'est déjà pas mal. Donc, voici la boîte des iridescents. Vous avez le pastel qui se présente comme ceci. Attendez, oh, excusez-moi. Voilà. Voilà, avec le gène code, Sennelier et le numéro qui est là. Pardon. Vous voyez, il y a le numéro. Pastel à l'huile, 132, numéro là, qui est repris là. Voilà. Ça se présente comme ceci. Bien sûr, les iridescents, je les ai déjà switchés. Je vais vous montrer après. C'est pour ça que vous voyez les mines qui sont un petit peu. Bien sûr, comme j'en ai pris un petit peu dessus pour faire avancer le nuancier, c'est trop joli. Déjà, rien qu'à l'œil nu, on voit que c'est bien gras. Que c'est. Et l'autre boîte avec des couleurs, dirons-nous, plus classiques qui ne sont pas iridescentes. Trop jolie aussi, donc même principe, hein, bien sûr. Elles sont numérotées, référencées. Pardon, j'attends que le zoom, ah flûte, le zoom se fasse. C'est le même système en fait, l'emballage. Bon, alors, comme je vous disais, j'ai déjà commencé à faire le nuancier. Ceci. C'est le nuancier de la première boîte iridescente. Gardez-moi ces beautés. Sincèrement, c'est magique. Ce sont de vraies beautés. Qui se travaillent très très facilement. Très onctueux. Au doigt. Au doigt ou à l'éponge comme ceci, vous savez. Au doigt avec une éponge. J'ai testé là, au doigt, juste au doigt. J'ai testé aussi dans un colo à l'éponge. Voici le résultat d'un colo à l'éponge. Regardez. Ainsi le fond bleu. En fait, c'est les bleus de cette boîte-ci. Bleu que nous allons faire le nuancier juste après. Mais c'était pour vous donner un petit peu une idée. Alors, on va attaquer le nuancier de la deuxième boîte, voir ensemble ce que ça fait. Et après, je vais essayer une autre méthode. Vu que j'ai essayé au doigt, j'ai essayé à l'éponge, je voulais essayer avec vous. Ils préconisent aussi qu'on peut utiliser, prendre du produit sur un chiffon et travailler au chiffon. Donc, on va essayer après. Pourquoi pas? Alors, on va commencer par le 06. Est-ce que c'est classé dans l'ordre? Bon, je passe le noir, vu que le noir, on l'a déjà dans la première palette.
dans la première boîte. Le noir et le blanc, j'ai passé. Donc, noir. Donc, celui-ci, c'est le 34. C'est un marron. Un 34. Là, c'est 220. Je contrôle quand même, pas faire de bêtises. Je vais peut-être vous zoomer, vous resserre un petit peu. Là. 34. 220. C'est un rouge. Bon, je vais pas dire à chaque fois, ça se voit quoi. Un 200. 26. Un 19. Regardez-moi ça, quelle facilité on pose le produit. C'est du beurre. 45. J'en suis venue au pastel saigné à cause du maquillage pour enfants là. Vous vous souvenez? Maquillage pour enfants que j'avais fait vidéo. J'ai mon Dieu. Et là, on attaque les bleus dans lesquels je vous ai fait le fond là. Vous souvenez, je vous ai montré ces trois bleus là. J'avais travaillé avec le 203. Le 237 qui est beaucoup plus foncé, ça fait un marine. Et puis un bleu clair. J'ai utilisé ces trois-là dans la... dans le colo test. Alors là, j'y vais au doigt. Ça commence à être un peu dur. J'ai la petite éponge à côté. Mais ça m'étonnerait fortement. Regardez. Vous avez vu? Un coup de doigt. Rien que la chaleur de la peau va vous faire fondre votre produit. C'est incroyable. Vous voyez, on retrouve les couleurs de ce que je vous ai présenté en colo exemple, en bleu. Allez, je vais faire un 42, le 45, superbe vert. Le jaune, je nettoie un petit peu mon doigt quand même, pour pas transférer le vert sur le jaune. Le 19, au magnifique jaune. Il va se fondre merveilleusement bien avec les verts. Le ocre. C'est ce qui est bien que ces tons-là, c'est qu'en fait, vous pouvez, avec les ocres marrons, vous pouvez partir sur les jaunes, les verts ou sur les oranges rouges. Moi, j'aime bien les tons ocre. Enfin, c'est mon choix perso. Le orange. Le rouge. Ça fait un rouge groseille. Et le mat. Enfin, on arrive au plus foncé avant le noir que j'ai dans les deux boîtes, le 34. Franchement, les tons dorés iridescents, là, sont magnifiques aussi. Il y a un bleu, là, regardez. Ce bleu-là, iridescent, a tombé. Bien sûr, on peut travailler aussi un petit peu de classique avec l'iridescent. On n'est pas obligé de tout faire en iridescent. Donc, voilà pour... je vais redesserrer. Pardon, excusez-moi, attention vos yeux. Voilà. L'ensemble de la petite gamme que je me suis construite. Oh, merveilleux. Et en plus de ça, à savoir que c'est... pastel là, je sais pour avoir testé sur la première gamme. Quand vous utilisez un petit tampon doigt comme ça, après utilisation, un petit peu d'eau chaude, un petit peu de savon, allez hop, tout part. Vous récupérez votre petit tampon, nickel, pas abîmé, rien. Et là, donc, je l'avais fait à l'éponge. Et là, je voudrais tester
un colo, peu importe, celui-ci, on va prendre celui-ci, pour faire comme il préconise au chiffon. Donc on va tester ça. Alors, vous voyez, pour ce faire, j'ai pris un chiffon, un chiffon, un chiffon, vraiment un chiffon, quoi. Et je vais tester, voir un petit peu ce que ça peut rendre de le travailler au chiffon. Alors, je vais quand même protéger. Je vais quand même protéger en dessous. On ne sait jamais quand même, parce que moi, dans le genre, je fais des bêtises. Ça serait guère étonnant. Et on va y aller. Alors, comme j'ai déjà fait en bleu, je vais partir dans les tons ocre. Vous allez me dire, ah, ocre. Elle vient de le dire qu'elle aimait bien ocre. Bah ouais, tiens. Ocre, jaune. On va partir ocre, puis on va faire un dégradé. On va essayer de d'estomper ça. Allez, alors, pour ce faire, j'ai pris une petite surface là. Alors là, je vais prendre un peu de produit dans les ocres. Ah, ça va être une tambouille en direct. Hein. En bas, je vais. Oui. Hop, le petit chiffon. On va déposer du ocre sur le chiffon. Voilà. Et puis on va y aller. On n'a pas peur. Allez, hop, place bien le produit, Laurence. Allez, on y va. Au chiffon. Et bien, regardez. Du ocre. Je vais en mettre un peu partout du ocre, comme ça. Et c'est pas mal, hein. Hop. Bon, excusez-moi si c'est un peu long. Forcément, c'est la première fois que je fais, hein. Donc, forcément que tout ne peut pas être parfait à la première fois. En fait, je fais un genre de tampon. Et savoir, pour avoir testé, que votre produit, si vous dépassez sur votre coloriage, c'est pas grave, ça se gomme. Vous récupérez, ça se gomme. C'est un produit super top, en fait. Pour avoir testé les iridescents là, et les bleus, les trois bleus. J'avais dépassé un petit peu sur le coloriage. C'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai gommé et tout est parti. À la gomme électrique là, de chez Derwent, vous savez. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un peu de jaune. Allez, hop, regardez, le jaune. Allez, on y va. J'en ai pris une bonne dose quand même là. Hop. Allez, on est parti. Un petit peu de jaune là, un petit peu de jaune là, un petit peu de jaune là, du jaune là. Allez. On va peut-être mettre une petite pointe d'orange après par la suite. Vous inquiétez pas, je dépasse, mais c'est pas grave. Je vous dis, ça se gomme. J'aurais peut-être dû ramener la gomme pour vous montrer ça. Enfin, c'est pas grave, il vaut peut-être mieux. Je vais attendre que ça sèche un peu mieux. Ça, ce soit bien bien sec avant d'entamer un gommage. Bon, faut quand même noter que le papier, c'est un papier de bonne qualité là. Hein. On est sur du, je sais pas combien de grammage, mais on est sur du papier de bonne qualité. Aquarelle. Trop joli. Je vais faire que la moitié avec vous. On aura bien assez pour se faire une idée quand même. La moitié du colo fait. Je prends
du orange. Je vous montre mon orange. Regardez, j'ai pris un petit paquet d'orange. Voyez. Et puis allez, on y va. On va essayer de fondre le jaune avec l'orange. Tiens. Allez, on y va. Alors là, j'ai un bon paquet d'orange. Hein. Jamais j'aurais pensé qu'avec un morceau de tissu, on aurait pu obtenir un fond. Jamais, sincèrement. Vraiment le test. Je dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais fondre tout ça avec le marron, le orange. Là, on est vraiment dans le test. Hop. Ah, j'ai complètement dépassé là. C'est pas grave, ça se rattrape. Ça se rattrape. Voilà. Allez, on va fondre maintenant. Regardez. Hop. Vous allez entendre le bruit du frottement. Je vais reprendre un peu de du jaune. Allez, je reprends un peu de jaune sur mon tissu. Et puis on va mettre un peu de jaune là, un petit peu de jaune là. Pas mis assez, c'est normal, c'est la première fois que je le fais au tissu, donc je connais pas trop mes dosages de produits, c'est normal. J'en mettrai bien un peu d'ocre après. Alors un petit peu de jaune là, un petit peu de jaune là, un petit peu de jaune là, de l'ocre. Allez, on y va. Un petit peu d'ocre. Voilà. Je me demande si j'en mets pas un peu trop. C'est pas grave, on va boucher un petit peu les trous. Les petits jours que j'aurais pu laisser. Après, je vous montrerai. J'irai chercher la gomme. Allez, on y va. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Faut pas avoir peur de toute façon. Pourquoi avoir peur? Qu'est-ce qu'on risque? On risque juste. Remarquez, on risque juste que le fond du colo, quoi. Mais comme j'en ai testé un, je me dis. Bouger la feuille de papier. Je me dis qu'en fait, c'est pas bien méchant. Je vais y arriver, je vais retomber sur mes pieds. Je suis pas partie dire et j'en ai déjà fait un avec l'éponge, donc j'ai pas trop peur quoi. Hop, hop. Et c'est merveilleux au tissu là. Allez, je bouge. Pas besoin de le. Une fois que c'est bien sec, j'ai même pas eu besoin la fois dernière de mettre du fixatif après coup. Alors, je récupère le produit qui traîne par-ci par-là.
Et qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. Allez, on va faire les petits détails là, histoire que une fois que ce soit sec, j'ai pas à revenir dessus. Regardez-moi ça comme ça se fond. Ça se fond. Ça fond comme du beurre, ça se mélange. Je vais aller chercher ma gomme. Pour vous montrer qu'on peut gommer toutes les petites tout ce qui est débordé. Je me mets sur pause, je reviens. Voilà. Me revoilà avec la gomme. Vous voyez, vous allez me voir jouer de la gomme. J'aurais peut-être dû attendre que ça sèche mieux. Non, ça part bien. Ça part bien. Un bel jaune là, que j'avais mis là. Allez hop. On n'en parle plus. Ça fait des petits déchets. Forcément, comme c'est huileux, ça a du mal à partir. Ouais, et je pense que ce serait peut-être judicieux d'attendre que. Quoique si on attend que ce soit bien bien sec, ça va être fixé sur le papier. Donc pour le fond bleu, j'avais pas attendu. Je préfère pas attendre. Oh, je crois que je tombe en panne de pile. Oh, c'est pas vrai. Enfin, le principe est bon, quoi. Je vous ai montré. Regardez. Regardez. Vous voyez l'oiseau, il n'est plus du tout marqué. On voit que je suis passée sur la branche aussi. Vous voyez, regardez là. Regardez la manche de la petite fille. Vous voyez? Hop, je vais aller passer un petit coup. Ah là 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 là. Avec tout ça, je suis en train de faire, je me rends pas compte si je suis bien en train. Regardez, vous voyez la manche.
voyez, tout a disparu. J'en ai même profité pour faire les ailes, l'aile là. Bon, là, il va falloir que je repasse une deuxième fois. Parce que j'ai mis plus de produits dessus et en deux fois, je vais le récupérer. En deux ou trois fois, je vais le récupérer. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est faisable, quoi. Vous avez vu? J'ai peut-être arrêté de faire avec cette gomme-là. Je vais après avoir terminé la vidéo, je vais aller chercher ma slider. Vous savez, la grosse gomme. Voilà. Eh bien, écoutez, tout ça pour vous dire que les pastels cellier, moi, j'en suis ravie. Et qu'on peut travailler au chiffon, au doigt, à l'éponge. Et ils disent même que c'est aquarellable, qu'on peut travailler un petit peu à l'eau. Mais enfin là, j'ai pas encore testé et je sais pas, non, j'ai pas envie de le faire là. J'ai pas envie de partir dans l'eau. Voilà. Mais écoutez, déjà, ces trois manières-là, c'est déjà pas mal, quoi. Et ça fait trop joli. Voilà. Je vous remercie bien de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Au revoir. Bye bye. Et top les saignées. Top les saignées. Bye bye.